Bonjour, je m'appelle Guillaume Perret, je suis photographe. Je travaille plutôt dans le domaine du portrait et le monde aquatique m'est plutôt inconnu. Enfin, les seules choses que je connais de ce monde-là, je les ai découvertes grâce à des photos ou à des reportages. J'ai choisi de m'exprimer sur la photo du baleineau parce que c'est une photo qui, très rapidement, m'a donné envie de la partager. Je l'ai montré à mes deux enfants. J'ai deux enfants de 8 et 10 ans. Et j'ai beaucoup aimé en fait les réactions qu'ils ont eues. Déjà, ils ont dit waouh, qu'est-ce que c'est? Mais le waouh, c'est souvent une première réaction qui est un très bon signe. Ensuite, ils m'ont posé plein de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Mais ils m'ont demandé où étaient les yeux, quelle taille ça a. Mais alors, c'est dans le ventre de la maman et c'est bébé jusqu'à quel âge? Enfin, il y a eu, je pense, une vingtaine de questions qui sont sorties. Et je me suis dit que le fait qu'ils trouvent ça beau et qu'ils soient intéressés par cette image-là va forcément provoquer en eux une forme d'émotion, attirer une forme de sympathie. Et je suis assez convaincu que si on veut protéger les choses qui nous entourent, les choses qu'on aime, eh ben, ça passe par quelque chose d'émotionnel. Il faut aimer les choses pour avoir envie de les protéger, pour ensuite que ce ne soit pas juste un acte politique, mais simplement un acte d'amour qui soit naturel et qui ne soit pas calculé.